Bienvenue à tous. On va jouer présentement sur le sens des lettres.com, une partie top là. C'est un petit concept que on a mis en place. Donc en fait, ce sont des parties à vocabulaire courant, détonnantes. C'est-à-dire que le top sera élevé, les coups sont en général assez faciles. Et en plus là, exception, nouveauté, c'est une partie 7 sur 8 Joker, donc c'est une partie très originale. Il y a à la fois le 7 sur 8 et à la fois le Joker à chaque coup. Voilà, donc ça va fuser. Heureusement, vous avez 3 minutes de réflexion par coup, donc vous aurez le temps de chercher un petit peu partout sur la grille. À l'issue de la partie, un décodage, essentiellement pour les isotopes et quelques définitions parmi les mots peu courants des sous-tops, puisque les tops sont des mots de vocabulaire courant. Et puis, cette semaine, comme les jours précédents, pas de... Enfin, aujourd'hui, comme les jours précédents, pas de résultats enregistrés. Donc, si vous voulez le partager, partager votre score avec... Avec vos petits camarades de jeu, eh bien vous pouvez le faire dans le chat ou dans les commentaires. Voilà, il n'y a pas de souci. Je suis en train de mettre en place un nouveau système sur le site web et même un nouveau site web. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais ne vous inquiétez pas, les classements reviendront. Alors, partie Joker 7 sur 8. Je démarre tout ça. Vous êtes prêts? Allez. On prend le premier joker nécessairement. Égypte E. Suisse S. Océanie O. Portugal P. Norvège N. Océanie O. C'est le deuxième. Italie, I. Vous jouez avec Joker, Égypte, Suisse, Océanie deux fois, Portugal et Norvège. Vous avez 3 minutes.
Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Le top de ce premier coup, 72 points. Attention à la solution retenue. Nous jouons horizontalement en H3. Le joker sera remplacé par un R de Roumanie. Opéron. O-P-E. R, joker donc. O, N sur la case centrale et S. Opéron, H3. Ça fait 72 points. Je rappelle bien sûr le principe de la partie 7 sur 8, c'est que on tire 8 lettres, mais on n'en joue que 7 au maximum. Et le fait qu'il y ait un joker à chaque coup, donc c'est une partie de joker en plus. Donc il y a un joker à chaque coup, on le remplace par la lettre à laquelle il se substitue, de façon à le conserver pour le coup suivant. Donc là, vous avez toujours votre deuxième joker, votre premier joker, pardon, ainsi que Italie. Vous ajoutez Égypte E, Algérie A, Italie I, c'est le deuxième. Norvège N, Algérie A, deuxième, et Maroc M, où je joue avec Italie deux fois, joker, Égypte, Algérie deux fois, Norvège et Maroc. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Voilà, le coup est terminé.82 points verticalement en 5D. De nouveau, le joker est remplacé par un R de Roumanie. Attention à la solution retenue. Sur le E de Opéron, nous jouons animerai. A-N-I-M-E, le R qui remplace le joker. A-I. Animerai. 5D. Ça fait 82 points. Le joker est remplacé par un R de Roumanie et vous le récupérez. Vous avez donc votre premier joker et Égypte. On ajoute Égypte E, deuxième. Uruguay U. Norvège N. Venezuela V. Norvège N, deuxième. Égypte E. Cela vous en fait 3. Vous jouez avec joker, Égypte 3 fois, Uruguay, Norvège 2 fois et Venezuela. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Quatre-vingt-treize points. Le joker est remplacé par un dé de Danemark. Verticalement en deux H pour transformer opéron en doperon. Nous posons devenu.
le Joker remplacé par un vrai dé. E, V, E, N, U, E. Devenu 2H. Ça fait 93 points. Il vous reste votre premier joker et Norvège. On ajoute Tunisie T, Danemark D, Océanie O, Uruguay U, Algérie A, Océanie O, c'est le deuxième. Vous jouez avec Joker, Norvège, Tunisie, Danemark, Océanie deux fois, Uruguay et Algérie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Le top sur ce coup s'élève à 85 points. Le Joker est remplacé par un S de Suisse, horizontalement en O2, pour mettre ce S justement au bout de devenu Soudan. Le Joker qui est remplacé par un S, O, U, D, A, N, T. Soudan. O2, 85 points. Il vous reste le Joker et Océanie. On ajoute Suisse S, Luxembourg L,
Tunisie, T. Égypte, E. Grèce, G. Et pardon, Maroc, M. Vous jouez avec Joker, Océanie, Suisse, Luxembourg, Tunisie, Égypte, Grèce et Maroc. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Pour 77 points, le joker est remplacé par un R de Roumanie. Et faites très attention à la solution retenue horizontalement en C3 pour transformer animerai en ranimerai. Nous jouons mortel. M, O, le joker remplacé par un R de Roumanie qui vient devant animerai. T, E, LS. Mortel. C3. Ça fait 77 points. Il vous reste le Joker et Grèce. Ajoutez Roumanie R. Québec, Q, Québec, Luxembourg, L, Suisse, S, Uruguay, U, deux fois. Vous jouez avec Joker, Grèce,
Roumanie, Québec, Luxembourg, Suisse et Uruguay deux fois. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Maximum à 82 points. Vous ferez attention à la solution retenue et à la place choisie. Le joker est remplacé par un E d'Égypte horizontalement en F4 sur le premier I de Radimeret. Vous posez liqueur. L, I de Radimeret, le premier. Q, U, le joker qui remplace. Et qui est remplacé par un E d'Égypte, U, R, S. Liqueur, F4, ça fait 82 points. Il vous reste le joker et graisse. On ajoute Kenya, K, Kenya, Égypte, E, Tunisie, T, Xénophon, X, Égypte, E, c'est le deuxième, et Zambie, Z. Vous jouez avec Joker, Grèce, Joker, Grèce, Kenya. Égypte deux fois, Tunisie, Xénophon et Zambie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Pour 90 points, horizontalement en B9, le joker est remplacé par un I d'Italie. On part d'au-dessus du S de mortel avec exiger. EX, le joker remplacé par un I. GEZ. Le premier E forme EES avec le S final de mortel. Exiger B9. Ça fait 90 points. Il vous reste Joker Québec. Ouh là là, j'ai du mal avec les avec le C, le Kenya, le Québec. Donc il vous reste, je récapitule. Je recommence. Il vous reste votre premier joker, Kenya et Tunisie. On ajoute Canada, c'est Portugal, P. Hongrie H. Égypte E. Et Océanie O. Vous jouez avec Joker, Kenya, Tunisie, Canada, Portugal, Hongrie, Égypte, Océanie. Vous avez 3 minutes. Il vous reste 30 secondes.
Voilà, le coup est terminé. Top à 112 points. Horizontalement en A4, en prenant un I pour remplacer le joker, nous jouons Chipote. C, H, joker remplacé par un I, P, O, T, E. Verticalement, cela forme T, T, E, S et X avec les lettres déjà en place. Chipote A4, 112 points. Il vous reste Joker et Kenya. Ajoutez Tunisie T, Uruguay U, Maroc M, Algérie A, Italie I, Algérie A deuxième. Vous jouez avec Joker, Kenya, Tunisie, Uruguay, Maroc, Algérie deux fois et Italie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Quatre-vingt-deux points, verticalement en 11E. Attention à la place, hein, c'est en 11E. Le joker est remplacé par un S de Suisse. Assumez A, le
S de liqueur. Ensuite, le joker est remplacé par un S. U-M-A-I-T. Nous avons joué assumé en 11E. Faites très attention à la place, regardez bien la grille. C'est le premier S de assumé qui se confond avec celui de liqueur. Assumé, 11E, ça fait 82 points. Il vous reste joker et Kenya. Eh bien, en fait, vous allez rejeter donc uniquement Kenya. Donc, vous avez juste le joker et vous prenez Algérie A, Luxembourg L, Uruguay U, Danemark D, Venezuela V, Océanie O et Roumanie R. Vous jouez avec joker Algérie, Luxembourg, Uruguay, Danemark, Venezuela, Océanie et Roumanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Alors, sur ce coup, le maximum est de 88 points. Horizontalement, en L5, en appui sur le T de assumer et en mettant un S au bout de ranimerait, donc le joker sera remplacé par un S de Suisse, survolta S-U-R-V-O-L-T.
le T de assumé est A. Sur Volta, L5, ça fait 88 points. Il vous reste le Joker et Danemark. Ajoutez Égypte E, Grèce G, Tunisie T, Égypte E deux fois, ça vous en fait 3, et Italie I. Vous jouez avec Joker, Danemark, Égypte 3 fois, Grèce, Tunisie, Italie. Oh non. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Maximum à 86 points. Le Joker va rester sur la grille, remplaçant un S de Suisse verticalement en 13G. Pour mettre un T au bout de Survolta, nous descendons Digeste. D, I, G, E, le Joker qui remplace un S de Suisse et qui reste sur la grille. T qui fait Survolta à T. Et E. Digeste, attention à la place, hein, c'est bien le T qui vient au bout de Survolta. 13G, ça fait 86 points. Il vous reste Égypte. Vous prenez le deuxième joker, lettre blanche, France F, Roumanie R, Algérie A deux fois,
Tunisie D et Wallonie W. Vous jouez avec Égypte, Joker, France, Roumanie, Algérie deux fois, Tunisie et Wallonie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Points. Là aussi, le joker va rester sur la grille. Il remplace un U d'Uruguay horizontalement en N6 pour coller au-dessus des trois dernières lettres de Soudan. Nous posons Fautera F A joker U d'Uruguay T E R A. Les trois premières lettres, forment Fa. En et ut. Fautera N6, 85 points. Il vous reste Wallonie. On ajoute Italie I. Égypte E. Kenya K. Kenya. Canada, C. Yougoslavie, Y. Algérie, A. Et Hongrie, H. Vous jouez avec Wallonie, Italie, Égypte, Kenya, Canada, Yougoslavie, Algérie, Hongrie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. cent vingt-trois points horizontalement en haut 12, en dessous du A de Fautera. Nous jouons Yak, Y, A, C, K. Le Y forme E, A, I, A, Y, pardon, avec le A final de Fautera. Yak, O11, 123 points. Il vous reste 4 lettres, Égypte, Hongrie, Italie, Wallonie. On ajoute Égypte, E, c'est le deuxième. Belgique, B. Norvège, N. Et France, F. Vous jouez avec Égypte deux fois, Hongrie, Italie, Wallonie, Belgique, Norvège, France. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Alors, sur ce coup, le top est de 38 points. Verticalement en 3G sur le haut de Doperon, nous posons WoW.
W, O de Doperon et H au passage, ça forme E-E-H avec le premier E de devenu. Wow. 3G, 38 points. Vous avez un reliquat de 6 lettres, Belgique, Égypte, deux fois, France, Italie, Norvège. On ajoute Belgique, B, c'est le deuxième. Et Jordanie, J. Vous jouez avec Belgique, deux fois, Égypte, deux fois, France, Italie, Norvège, Jordanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Alors, pour ce coup, le maximum s'élève à 28 points. Vous ferez attention à la solution retenue verticalement en 14F. À droite de digeste, nous posons je, J-E. Le E forme 2DE avec le D de digeste. Je, 14F, 28 points. Il vous reste 6 lettres, Belgique, deux fois, Égypte, France, Italie, Norvège. On ajoute Italie, I, c'est le deuxième. Et Norvège, N, c'est également le deuxième. Vous jouez avec Belgique, deux fois, Égypte, France, Italie, deux fois, Norvège, deux fois. Chrono. Thank you.
Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Un top à 39 points. Verticalement en 15G pour former Deb avec DE déjà en place, nous descendons Bibine. B qui fait Deb donc I B I N Bibine, 15G, ça fait 39 points. Il vous reste France, Norvège. Vous ajoutez les trois dernières lettres. Égypte, E. Luxembourg, L. Deux fois. Vous jouez 3 minutes avec... Enfin, vous cherchez 3 minutes avec France, Norvège, Égypte et Luxembourg deux fois. Oh non. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Voilà pour le dernier coup de cette partie. Le top est de 18 points. Verticalement en 9K pour mettre un E au bout de Soudan et former Soudante en double appui. Nous jouons Fonte, F, O de Survolta, N, T de Fautera et le E qui vient au bout de Soudan pour faire Soudante.
Fonte, 9K. Ça fait 18 points. Alors oui, je sais, soudante, c'est peut-être pas un mot de vocabulaire courant, mais dans les tout derniers coups des parties comme ça préparées, c'est pas évident d'avoir des mots à vocabulaire courant en top jusqu'au dernier coup. C'est pas chose aisée. Donc parfois, les 2-3 derniers coups, il peut y avoir des mots un peu plus difficiles ou un peu moins connus. Voilà, la partie compte 17 coups et le top cumulé est de 1280 points. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de score enregistré cette semaine. Vous pouvez néanmoins le partager dans les commentaires ou dans le chat. Et bien dans quelques secondes, décodage. Allez, on y va pour le décodage de cette partie 7 sur 8 Joker, une partie top là avec plein de Scrabble accessibles qui font beaucoup de points, etc. puisqu'on est en détonante. Je vous rappelle que la définition, bon, c'est conventionnel, hein, c'est, ou arbitraire comme vous voulez, c'est une partie qui fait plus de 1100 points et 19 coups maximum, voilà. C'est à la fois une partie rapide et qui fait beaucoup de points. Donc, au premier coup, on n'avait pas joué copine, on avait joué opéron. Alors, opéron, on l'a retenu parce que, pour les rallonges, hein, coopéron jusqu'au triple, doperon avec un D, toperon avec un T. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Choperon, voilà, il y a peut-être sûrement cloperon. Droperon, voilà, il y a plusieurs possibilités. Alors, on pouvait jouer également plein de choses. Copine, copion, dopion, épisson, épilon, épion, épinon, epsilon, espion, etc., etc. Ben voilà, isotope, opéron, c'est le top qu'on va retenir. Opinel, opinon, du verbe opiner. Oponce, voilà, il y a plein de solutions. Dès qu'on met le P et qu'on scrabble, on marque 72 points sur ce coup. Sachant qu'il n'y a aucun mot sans le joker, sinon on avait un top à 74 si on avait un mot de cette lettre sans utiliser le joker. Là, c'est pas le cas, donc 72. Le coup suivant, on a joué animerait, le voilà, quadruple, 2, 3, 4 autres quadruples possibles. Donc l'anagramme de, le verbe anagramme de animer, c'est manier, donc ça fait pareil, 82. On pouvait faire amènerait ou émanerait, pareil, ce sont deux verbes anagrammes, donc faut bien retenir par groupe de mots comme ça, amener, émaner, animer, manier. Voilà. Il n'y a pas de aminer par exemple. Aminer, c'est qu'un adjectif, c'est pas un verbe. Et puis Joker G, il y avait même pratiquement même place. Manéger, du verbe manéger. Déminer, 81, faisant d'opéron. Minerer en collante intégrale, c'est magnifique, je l'avais pas vu. Waouh, ça fait que 79, c'est pas assez cher payé, hein, comme on dit dans le jargon. Ça mériterait de faire un peu plus. Ça mériterait d'être un top. Hein. Si ça faisait 83, là, ça serait un coup hyper sélectif. Mais bon, c'est pas le cas. Amener qui fait toperon. Et puis sur le triple, amanien, arminien. Diamine, anagramme de déminé qui fait doperon aussi, qui fait un peu moins. Émaner, maintien, etc. etc. Coup d'après. Oui, alors les définitions, je les ferai défiler à la fin. Hein, voilà. Coup d'après, on a joué quoi là? On a joué devenu. Sous top. Et bien devenu aussi, mais à un autre endroit. Voilà, en G7. Neuvaine, qui faisait 74 sur le A de animerait. Revenu. Qui fait ranimerait 73, vendéen 73 avec versus, convenu 72, vaneuse, vendéen ici oui 72, vaneuse
Mokondoum 72, bienvenue, c'est toujours un mot difficile à construire ça, 70, enjuivé 70, innervé 70. Coup suivant, on a joué Soudan qui met un S au bout de devenu, sa trip ça fait 85. Sous top 77 avec donation en 8A, Mokondoum triple, odorant, Mokondoum double avec ranimeré, ça fait 75. Daumon et Douton qui collent sur 3 lettres, 71. Douton, 70. Tandor qui fait animeré, haïté, 69. Tout comme Todon du verbe toder, Adouban, 68. Soudan, 68. Toundra, 68. Etc. Etc. Le coup d'après, on a joué Merlot. Non, on a joué Mortel, pardon. Et son anagramme, Merlot, faisait la même chose. 77 points. Un point de moins avec Mégoton, qui fait versus et qui colle sur deux lettres, en fait. Sur le A de le premier A de Animeré, on a un mot compte double, donc on a pas mal de solutions là. 74 points. Glosam, Golfam, Gomat, Goutam, Maltage. Montage, moulage, et puis sur là où on pouvait jouer Mégoton, il y avait également Moleton, il a moleté, pour 74 points. Coup suivant. Alors là, on a la première fois qu'on a si peu de Scrabble, il y en a 5. Un 9 lettres, pas évident. Reluquon, du verbe reluquer. Ligueur, avec un G. Liqueur avec un Q, et puis plus haut, on a joué liqueur, nous, hein, le top c'était ça. Et même configuration, le Q qui triple, un module lettre, le R qui triple aussi, ça fait le même score. Laqueur en J4. Coup suivant. On a joué exigé pour 90, alors ça fait énormément de points parce que le X triple, le Z double, le mot entier va doubler. Donc ça fait rien que avec le X et le Z, on est déjà à 80 points. Et puis après, il y a les autres lettres. Voilà, donc c'est énorme. Autre sous-top, bon, ça perd beaucoup quand même, hein. Faut pas rater la place. Sous-top, on est à pratiquement 30 points, moins 26, avec taxeré, le X qui triple, le Z qui triple, de même que axeré, 63. KKA avec le K en pivot sur une lettre triple, 62. Étier, Z double, mot double, qui fait ranimeré, 57, accès, qui fait XI, 54. Joli guetré et guetté là, voilà, qui vont chercher le Z sur la case bleue et le mot qui double, ce qu'on appelle un coup de legendre. Coup suivant, ketchup, ça s'écrit pas comme ça, et puis ça aurait pu passer, ketchup, hein, c'était joli, mais ça ne passe pas. Pas de Scrabble avec le K sur ce coup. On a joué Chipote pour 112. Alors ça fait beaucoup parce que le C triple, le mot double, et puis c'est un Scrabble. Et puis on reprend le X de exiger dans X. Donc ça fait 11 points de plus. Tofacé, même place. C'est un adjectif, 108 points. Et puis en quadruple, deux solutions. Postiche ou psychote, du verbe psychoter. En A3, shop 104 et poche 95. Sans scrabler, catch 89. Le K double, le mot triple, le C et le H, ça fait 7 points, c'est presque une lettre chère. Voilà, ça fait grimper le score. 89, alors que c'est pas un scrabble. Et puis ensuite, d'autres scrabbles qui font moins. Ta poche, tofacé 81. Pétoché et toute la famille du verbe, 80 points en 13A. Etc, etc. Coup d'après, on a joué assumé. Alors, on l'a joué où? En 11E, le voilà. Bon, il passait une case au-dessus, c'est sans grand intérêt. Et puis, même place, on avait masqué ou mastica. Alors, on n'a pas choisi mastica parce que... logiquement, c'est ce qu'il faut choisir parce qu'on peut mettre un I, un S, un T au bout. Mais là, on aurait perdu le joker, donc, puisque le Q est déjà utilisé. Donc, on a préféré assumer. Autre Scrabble, rameuté, Miola.
sur avec le cas pardon Aquavit et Azimutal en Scrabble sur le Z. Cum fait 67 avec le cas en pivot. Miolet a été 66. Ou suivant. Alors, le top, c'était sur Volta, une jolie place, hein, un petit peu cachée. Bon, pour un point de moins, il y avait Voudrait ou Voudra en N6, levé en pivot. Ça fait déjà 26 points rien que pour lever, hein, puisqu'on compte dans les deux mots. Délovera 13A fait 74, tout comme Dévouera, Revoudra, Dévaloir 72, Dévaluer, Évoluera, voilà tout ça sur la colonne 13. Sur le E de Exiger, ça fait entre 72 et 74 points. Coup d'après, on a joué Digest 86, Digest Barrière par exemple, je sais pas. Diégèse, même place, 83. Défigé, même principe, 82. Digité, adjectif. Débité, verbe. Dégoté, verbe. Délité, verbe. Déneigé, verbe. Voilà, tout ça en 13. On met soit un T, soit un I, soit un S joker. Et on marque des points. On marque au moins 78 points. En scrabblant à cet endroit-là, il y a même 76 avec méditer, 71 avec éditer, étiger, etc. Voilà. Après, si on joue ailleurs, c'est déneiger à 70 en 13A. Voilà, il y a plein de scrabs sur ce coup également. Éteigne. Déteigne en 8 lettres, mais... D-E-T-E-I-G-N-E, ouais. Mais pas jouer 8 lettres là, on n'a pas le droit. Et c'est en 7 et 8 qu'on peut jouer 8 lettres, mais là on est en 7 sur 8. Coup suivant. Alors, on a joué fautera, voilà, du verbe fauter. Donc là, le W fait un peu lettre parasite. Hein. On peut penser à W-A-R-E comme software, par exemple. Voilà, si on avait un S ou un O de disponible, il y avait software. Et il n'y a pas. Voilà. Sous top 40 points avec Flo. W qui triple. Phrasa, le F qui triple. Le mot qui double. Et le S qui vient mettre digest au pluriel. Donc avec un T ça fait 40. Sans le T ça fait 38. Hein, tout comme phrasé. Et puis le W permet de marquer 37 points ici avec Fatwa. Ou d'après, on a joué Yak avec ou sans C. Une belle bête qui fait 123 points là. Même endroit, Haik, H-A-I-K, fait pratiquement la moitié, 69. C'est pas le rater, hein, sinon ça, on perd beaucoup de points. Ré, R-A-Y, 65 avec le Y en pivot sur la case triple. Yak, même endroit, sans le C, donc bah, qui fait que 52 puisque ça triple pas. Et Kayak en J4, 45. Coup d'après. On a joué WOH, sous top Biwa, 35, tout comme Ewe en 14E, ou en J13 pour 32, Web en 13A faisait 28. Coup suivant, on a joué Je pour 28 points, Juif en M1 faisait 28 points également, tout comme Benji en 13A sur le E de exiger Jubé. En M1, 26. Et puis après, c'est pas intéressant du tout. On se rapproche de la fin. Bibine, c'était le top en 15G, 39 points. Bief, Bibi, même endroit. Bénin, Béni, tout ça, voilà. 33, 30, 27, 24 points. Obel en 4C, petite collante à 22 points. Voilà, c'est la fin. C'est pas très intéressant. Et enfin, on a joué Fonte, F-O-N-T-E, qui faisait Soudante. Voilà, donc c'est fini pour les isotopes et les sous-topes, et je vais passer aux définitions. Alors les définitions, c'est pas forcément les tops, hein, puisque c'est au contraire, c'est même très rarement les tops.
puisque c'est une partie à vocabulaire courant. Donc les définitions que je vais vous donner là, ce sont soit des mots qu'on a formés au passage, soit des sous-topes ou des isotopes. Voilà. Donc on pouvait jouer un moment, on pouvait jouer épinon, c'était au premier coup, voilà, donc épiné. Un terme d'agriculture protégé par des épineux, des arbres épineux. Epsilon, invariable, hein, lettre grecque, on ne met pas de S au bout. Isotope, adjectif et nom masculin, celui d'éléments chimiques identiques mais de masse atomique différente. Les isotopes, c'est aussi le nom de l'équipe de baseball dans les Simpsons. Opinel, couteau pliant à manche de bois. Amanien, adjectif habitant d'Amman en Jordanie. Arminien, adjectif aussi et nom. Donc il y a aussi arminienne, partisan de la secte protestante d'Arminius du XVIIe siècle. Diamine, terme chimique qui désigne un corps qui a deux fonctions, amine. Neuvaine, c'est un nom féminin. Prière au pluriel, prière faite pendant 9 jours consécutifs, donc une neuvaine, c'est des prières, c'est l'ensemble des prières faites pendant les 9 jours. Enjuivé, terme très péjoratif, pénétré de l'influence juive. Daumon, invariable également par rapport à Epsilon tout à l'heure. Aladomon, c'est une locution qui désigne un attelage à 4 chevaux et 2 postillons. Tandoor ou tandoor, apparemment on prononce les deux. En Inde, c'est un four en terre, ça donne notamment tandoori, façon de cuire et de cuisiner certaines viandes. Todon, on pouvait jouer todon, voilà, c'était sur Soudan, on pouvait jouer todé, c'est couvrir d'un taux, T-A-U-D, et le taux, qui est aussi la taude, c'est un abri en grosse toile, terme maritime. Anodonte, on pouvait jouer aussi là, mais je ne l'ai peut-être pas cité, mais bon. Nom masculin et adjectif mollusque d'eau douce. Merlot, c'est un cépage du Bordelais. Mégoté, quand on pouvait jouer mégoton, donner chichement, c'est-à-dire ne pas garder pour soi en partie, quoi. Enfin, rechigner à donner, voilà. Moleté, je molette avec deux T ou un seul T, terme de technique, strier avec une molette. Malté, convertir de l'orge en malt, ça c'était pour maltage. Donc maltage, c'est l'action, le fait de malter. Laqueur, laqueuse, ouvrier qui décore des ouvrages au moyen de laques. Ligueur, ligueuse, membre d'une ligue. Guêtré, on pouvait jouer guêtré, revêtir de guêtres. Et les guêtres, ce sont des espèces de pièces de vêtements pour les protéger le bas des jambes, notamment quand on fait de la randonnée ou de la pêche ou des activités potentiellement salissantes. Alors, tophacé, relatif au tophus, adjectif donc, et ou e. Et le tophus, c'est un dépôt d'urate autour des articulations d'un goutteux. Voilà, ça peut être très joli à voir quand même. Ketch, un voilier à deux mains, on peut mettre un S devant. Aquavite, qui s'écrit également aquavite avec un KV ou aquavite, AQUAVIT, eau de vie scandinave. Azimutal, relatif à l'azimut. Et l'azimut, c'est un angle formé par le plan vertical d'un astre et le plan méridien du point d'observation. Ouais, là, j'arrive à peu près à voir ce que c'est. Délover, dérouler un câble. Dévaloir, alors attention, dévaloir, ça n'est pas un verbe, ça ressemble à un verbe, mais ça n'est pas un verbe. C'est un nom masculin. En Suisse, un couloir d'une forêt de montagne par où descendent les billes de bois. Voilà, c'est là où on dévale. Donc, c'est pas un verbe, il y a le verbe dévaluer, il y a le verbe valoir, mais il n'y a pas dévaloir, voilà. Diégèse, univers spatio-temporel d'une œuvre de fiction. Digité, adjectif, terme de botanique ou de zoologie qui désigne un organe ou une feuille, voilà, découpé en forme de doigt. Flow,
nom masculin débit du chanteur de rap. Phrasé, pourquoi j'ai mis phrasé? Parce que, oui, phrasé. On pouvait jouer phrasa un moment. Phrasa, phrasé, c'est rouler de la pâte. Donc c'est la deuxième définition de phrasé. Fatwa, opinion donnée par une autorité judiciaire musulmane ou une condamnation à mort. Yak avec ou sans C, ruminant du Tibet au pelage long et épais. Haïk, H-A-I-T-R-E-M-A-K, grand voile dont s'enveloppent les musulmanes. Wow, W-O-H, c'est une interjection, donc c'est invariable. C'est un québécisme familier, c'est, ça veut dire c'est assez, c'est wow, wow, wow. Se calme là. Biwa, lutte japonais, la musique, instrument de musique. Ewe ou Ewe, on peut prononcer les deux adjectifs et noms masculins d'un peuple du Togo. Benji, saut à l'élastique. Jubé, tribune élevée dans certaines églises. Bibine, mauvaise boisson, terme familier. Bon, on dit ça pour la bière aussi, par exemple. Et ça formait Deb au passage, et la Deb, c'est encore un terme familier, jeune fille de la haute société qui fait ses débuts dans le monde. Abréviation de débutante, je suppose. Bibi, c'était un sous-top, petit chapeau ou pronom personnel, pour dire moi. Et enfin, on a formé Soudante. Adjectif, donc soudant, soudante, qui désigne la température à laquelle on porte le fer pour le souder. Donc j'étais en train de tiquer parce qu'on a joué fonte qui forme soudante, voilà. Voilà. Je vous laisse... Non, rien. C'est tombé. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour le décodage de cette partie... De Scrabble extrême, hein, j'appelle ça comme ça parce que voilà, il y a beaucoup de le Scrabble extrême, c'est pas forcément quand c'est trop difficile, hein, c'est aussi quand ça dépote. Là, on a joué, je sais même plus où est-ce que j'ai mis ça. On a joué 17 coups pour un top à 1280. C'est une belle partie. J'espère que vous avez pris du plaisir et que vous avez appris des choses. Et puis je vous dis ben à très vite puisqu'il y a des parties tous les jours maintenant. Allez. Ciao.